Salut à tous, c'est Bysanka. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Le cube vient de s'arrêter du coup pour faire le deuxième run. Je vais vous montrer tout ça. On l'a découvert en direct. Allez, c'est parti. Mais attends, regarde la zone là. Non. Ouais. Elle est en. En apesanteur. Ouais. C'est là où le cube il a mis la première run. En gros, chaque zone qui marque, ça les met en apesanteur. C'est ça, ouais. On dirait qu'il va les mettre tout autour d'un. Je sais pas. Ouais, ça va. Soit il va encercler une zone. Ouais, je sais pas, franchement bizarre. En tout cas, là, on voit bien qu'il est bien allumé. Il s'est posé, du coup, il a lâché la deuxième run. Ou rune, là, je sais pas comment que ça se prononce ce truc. Rune. Ah, il est bien allumé. Comme le skin. Regarde comment on se ressemble. Ah, ouais. A chaque fois du coup qu'il y a la grosse lumière là qui est comme ça en dessous, c'est qu'il est en train d'insérer la rune du coup. Ouais. Et ensuite il met le champ de protection anti-gravité là. Et tout ce qui va avec quoi. Ouah non, tu vois pas que je vais mourir. Il fait un bordel par contre. Normalement je meurs pas là non. C'était dans. Tant que tu réatterris dans le champ, c'est bon, tu meurs pas. Prends juste un peu de matériaux si jamais t'as des ennemis qui tirent dessus. Y'a des mecs qui me tirent dessus. Ils vont vouloir tirer sur le cube, mais tu te protèges avec une planche. Ah ouais, ça lui renvoie, stylé. Comme ça, au moins, on peut l'observer un peu. Ils sont à la pierre et ils nous tirent dessus. Donc ouais, je sais pas les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du coup du cube. Il s'est arrêté une deuxième fois là. On ira voir juste après, en dessous, ce que ça donne du coup, quelle inscription il a inscrit sur le sol. Je sais pas s'il y a des logos en plus à chaque fois, genre celui-là on l'a déjà vu, lui on l'a déjà vu. Espèce de parapluie, lui on l'a déjà vu. Attends voir si je mets la map. La première fois il s'est arrêté, si je dis pas de conneries, juste ici. La deuxième ici. Ouais je sais pas, ça se trouve il va encercler une zone et ensuite ça va faire un. Imaginez genre le premier il était là. Attends, pas que je me trompe, juste ça, le petit tac-tac. Le premier il était là, le deuxième là, le troisième là, le quatrième, je sais pas, le cinquième, le sixième, le septième. Et ensuite tous les dômes ils se rejoignent. Ils font un espèce de. Merde, qui m'a collé? Ils font un dôme géant comme ça. Franchement bizarre. Il y a des mecs qui se sont amusés à me tuer. Vous m'aurez pas, bande de pute. Waouh! Et en gros, il met 24 heures à marquer une zone. En fait, dès qu'il se pose, pendant 24 heures, normalement il est posé. Et ensuite, il se redéplace tous les on sait pas combien de temps. La première fois, c'était tous les 1h43. Il s'est posé pendant 24 heures, il a inscrit le logo. 24 heures après, il a rebougé tous les 50 minutes. Et là, c'est la première fois qu'il se rearrête ensuite pour le deuxième logo. Donc ça se trouve, quand il va reprendre, il va bouger toutes les demi-heures ou toutes les heures. Ça va peut-être le timing va peut-être changer, tu vois. Imagine après, il bouge à l'infini. Ah c'est ça qui me fait peur, j'ai peur qu'il va bouger pendant 20 jours dans le vent en fait, tu vois. Ouais. Donc attends, on va quand même aller voir en mode carrière, rediffusion. On va essayer d'aller voir du coup sous le cube le logo qu'il a mis. Si c'est si le c'est même. Ouais, je pense que ça serait un nouveau et à mon avis, je sais pas, il y aura sûrement un code à déchiffrer ou un truc comme ça. Alors bam, juste ici. Là, faut juste que je me mette sur moi. Hop là. Drone libre, pause. On va essayer d'aller voir du coup en dessous. Ah, il est là. Le logo, je le vois. C'est le logo qui fait la flèche. Attends, je suis perdu. Hop là. Vous voyez quel logo c'est, les gars? C'est le logo qui fait une sorte de flèche qui indique genre vers le bas. Donc ça se trouve, si ça indique une position, peut-être, si je me mets dans le sens là. Là, ils vont faire des théories de malade. Mais genre, si je vais par là, ça pointe quoi? Hop, par là. Et si je mets la map, je pointe. Ah, oh, rien à voir, ok. La fin de la map. Donc ça pointe rien du tout. Donc le premier, donc regardez bien, ça c'est le deuxième. Le premier qui est inscrit là-haut près de Salty, c'est celui-là avec le point d'interrogation. Et le deuxième qui a été inscrit ici, c'est celui-là avec la petite flèche là. Donc maintenant, ouais, à voir. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, en tout, normalement, je crois qu'il y en a. Que 4 des logos. Sauf que sur toutes les faces du cube, tu sais, ils sont retournés pour que à chaque fois ils soient à l'endroit au moins une fois, tu vois. Ah oui, ouais, en gros, ça c'est. Donc c'est bon, on a le deuxième logo, les gars.
Ah bah tiens, c'est celui-là. Ah bah oui, ouais, c'est lui. Et du coup, attends, je vais essayer de repasser en dessous. Ça va galère. Ah voilà, hop là. Donc dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez une idée, une supposition. Du coup, maintenant, on a deux logos dans un ordre. On va voir si on arrive à trouver une traduction ou quelque chose comme ça. Mais c'est cool, ça avance, ça avance. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas, partagez la vidéo pour montrer tout ça à vos potes et peut-être qu'ils puissent mettre aussi leur théorie du coup dans les commentaires. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.